Salut tout le monde, c'est Grosse Bouffe et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous donner une astuce pour vous aider à farmer les éclats glacés ou les glacial shards de manière super efficace et plus rapidement. Alors, je vais vous présenter un petit mode que j'ai découvert il y a quelques jours qui s'appelle Gathering Glow. Alors, je vais vous mettre le nom ici, hop, voilà, Gathering Glow. Et je vais vous mettre le lien du mod en description de la vidéo. Ce mod, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va colorer en vert ici, comme vous voyez, les glacial shards. Donc il va colorer en vert aussi quelques autres ressources qui se farment, je crois. Mais chez moi, j'ai un petit bug. Donc vous voyez, j'ai un petit bug, il n'y a que le glacial shard qui s'affiche. Donc ben, je suis content. Mais vous aurez aussi normalement les bouteilles et 2-3 autres choses comme ça. Donc bah, vous voyez, donc ce mode permet de repérer le glacial shard de loin, les éclats glacés. Les éclats glacés, c'est super chiant à farmer, ça fait mal aux yeux, c'est du blanc sur blanc, ça se voit pas tout le temps. Et là vous voyez, je vois tous les glacial shards sur la map. Donc quand il y en a un comme ça, vous savez qu'il y a une mine, il y a un filon en dessous. Et comme vous voyez, donc pour les farmer, c'est assez vicieux parce qu'il y en a un ou deux qui effleurent en surface. Et là, avec ce mode, donc j'ai jamais miné autant de glacial shards en quelques secondes. Là, même avec vous, c'est incroyable. Dès qu'on fait un pas, il y a une mine. Donc vous voyez, ce mode, je vous le conseille. Si vous ne savez pas comment installer les modes, je vais mettre aussi dans le... J'ai fait une vidéo pour ça. Je vais mettre la vidéo en description dans le lien. Et encore des éclats glacés, glacial shards. Donc vous voyez, avec ça, on va pouvoir optimiser fortement le minage de cette ressource pour trouver les œufs de dragon qui sont cachés à l'intérieur. Et là, je suis dans la région adepte. Donc au début, vous voyez qu'elle est quand même remplie de glacial shards que je voyais pas, hein, pour vous dire la vérité. Moi, je galérais, j'en voyais un tout petit peu de temps en temps. J'en voyais quand il y en avait plus de trois. Mais quand il y en a une qui affleure comme ça, c'est complètement impossible de les voir. Voilà, et j'arrive dans une région où les joueurs sont déjà passés. Donc vous voyez, il y en a encore, il y en a partout. Et ça se voyait pas. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que vous allez être nombreux à télécharger ce mode. Et je vous souhaite donc bon farm à tous de Glacial Shard. Regardez, encore un en face, un en haut de la colline. Voilà, on en voit partout alors que c'était vraiment super compliqué de les farmer. Donc ben, moi je suis super satisfait de ce mode. Ça me redonne un peu de baume au cœur, comme on dit. Voilà, bon farm à tous, à très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Et bon farm de minerai, bon week-end. Ciao, ciao !